مثلا إذا أردت أن أقول لا أعرف عن ماذا تتحدثان، أفضل أن أبقى محايدا. Oui, très bien. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère rester neutre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère rester neutre. On a l'adjectif neutre signifie qui ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre dans un conflit ou dans une discussion. Je répète, l'adjectif neutre signifie qui ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre dans un conflit ou dans une discussion. يعني الشخص الذي لا ينحاز لا لهذا الطرف لا للطرف الآخر عندما يكون نزاع أو مناقشة. يعني هذه الكلمة معناها الشخص المحايد الذي لا ينحاز لأي طرف. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère rester neutre. Une autre phrase. هذا العمل يتطلب الصبر. جملة سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. Ce travail nécessite de la patience. Ce travail nécessite de la patience. On a le verbe nécessiter signifie yatatallabu ou yelzam. Ce travail nécessite de la patience. On peut dire aussi ce travail demande de la patience. Ce travail demande de la patience. Le verbe demander معناه كذلك يتطلب. جملة أخرى. هو يتفق معي بشكل أو بآخر. Il est plus ou moins d'accord avec moi. Il est plus ou moins d'accord avec moi. Plus ou moins معناها بشكل أو بآخر قد تعني كذلك à peu près يعني تقريبا. Il est plus ou moins d'accord avec moi. الآن إذا أردت أن أقول سامية دقيقة دائما بالمواعيد. دقيقة يعني ملتزمة، يعني الشخص الذي يلتزم بمواعيده. كنا رأينا سابقا صفة ملتزم يعني دقيق بالمواعيد. Oui, très bien. Samia est toujours ponctuelle au rendez-vous. Samia est toujours ponctuelle au rendez-vous. Ponctuelle, il y a sefa, adjectif, comme a قلت, daqiq, الشخص الدقيق بالمواعيد الذي يحترم الوقت المحدد. Samia est toujours ponctuelle au rendez-vous. Une autre phrase. وجهة نظري مختلفة عن وجهة نظرك. Mon point de vue est différent du tien. Mon point de vue est différent du tien. Mon point de vue, يعني وجهة نظري, est différent, يعني مختلفة, du tien. Tien, هنا استعملنا les pronoms possessifs, يعني ضمائر الملكية لتفادي التكرار. Mon point de vue est différent du tien.
الآن استمع جيدا لهذه الجملة عزيزي المشاهد. فاطمة est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. Fatima est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. Voilà la phrase. Fatima est très pondérée. Je lui demande souvent des conseils. En arabe, Fatima متوازنة جدا كثيرا ما أطلب منها نصائح. Pondéré, ça c'est un adjectif, signifie qui agit et réfléchit avec calme. يعني من يعمل ويفكر بهدوء, يعني الشخص المتوازن. Fatima est très pondérée, je lui demande souvent des conseils. Une autre phrase. إمكانية الصلح بين عزيز وسارة ممكنة. Oui, très bien. La possibilité d'une réconciliation entre Aziz et Sarah est envisageable. La possibilité d'une réconciliation entre Aziz et Sarah est envisageable. La possibilité, yani imkania, réconciliation, yani solh, envisageable, yani mumkin, ou mumkina. La possibilité d'une réconciliation entre Aziz et Sarah est envisageable. الآن استمع جيدا. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. Voilà la phrase. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. En arabe, أخي الصغير يئن إذا لم أخبره بقصة أو إذا لم أحكي له قصة قبل الذهاب إلى الفراش أو إلى السرير. On a le verbe pleurnicher, signifie pleurer sans vraie raison, يعني الشخص الذي يتباكى, لا يبكي, يتباكى لأجل لا شيء, يعني يئن ويشكو ويتذمر. Mon petit frère pleurniche si je ne lui raconte pas une histoire avant d'aller au lit. الآن استمع جيدا كذلك. Ne reste pas planté là, viens avec nous. Ne reste pas planté là, viens avec nous. Ne reste pas planté là, viens avec nous, يعني لا تقف هناك, تعال معنا. Planter signifie être debout et ne pas bouger, يعني الشخص الذي يبقى واقفا دون أن يفعل أي شيء. Ne reste pas planté là, viens avec nous. Une autre phrase, il s'est planté dans son exercice. Il s'est planté dans son exercice. Il s'est planté dans son exercice, يعني لقد أخطأ في تمرينه. Ici on a le verbe se planter, un verbe pronominal. On l'utilise dans le langage familier, signifie se tromper, يعني يخطئ. Il s'est planté dans son exercice. الآن إذا أردت أن أقول أنا سأسافر مع ابن أخي. نعم أحسنت. Je vais voyager avec mon neveu.
Je vais voyager avec mon neveu. Neveu signifie fils du frère ou de la sœur. يعني ابن الأخ أو ابن الأخت. Je vais voyager avec mon neveu. بالنسبة لبنت الأخت أو ابنة الأخ نقول نياسة. نياسة. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. سامي نيجليج. Ses amis, il ne prend jamais de leurs nouvelles. Sami néglige ses amis, il ne prend jamais de leurs nouvelles. Sami néglige ses amis, il ne prend jamais de leurs nouvelles. يعني بالعربية سامي هو يهمل أصدقائه يعني لا يعرف أبدا أخبارهم. هذه ليست ترجمة حرفية وإنما معنى الجملة. سامي نيجليج ses amis, il ne prend jamais de leurs nouvelles. Une autre phrase. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. يعني يحزنني أن أرى هذه العائلة تعيش في بؤس. On a le verbe navrer signifie rendre triste, يعني يجعلك حزينا, يعني تأسف أو تحزن لرؤية شيء ما. Aussi on a la misère signifie وجه من أوجه الفقر, يعني البؤس. Cela me navre de voir cette famille vivre dans la misère. كيف أقول في الواقع لقد ضيعت وقتي معهم؟ Oui, très bien. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je me suis acharné à mon travail. Et j'ai fini par le terminer avec succès. Je me suis acharné à mon travail et j'ai fini par le terminer avec succès. Voilà la phrase. Je me suis acharné à mon travail et j'ai fini par le terminer avec succès. On a le verbe s'acharner signifie mettre beaucoup d'énergie pour réussir quelque chose, يعني بذل الكثير من الطاقة لتحقيق شيء ما, يعني السعي وراء شيء ما بكل جهد. En arabe, عملت بجد في عملي وأنهيت بإكماله بنجاح. Je me suis acharné à mon travail et j'ai fini par le terminer avec succès. Une autre phrase. علي أن أفكر في إعادة الاتصال بوالدتي وإلا ستقلق. Il faut que je pense à rappeler ma mère ou elle va s'inquiéter. Il faut que je pense à rappeler ma mère ou elle va s'inquiéter. Il faut que je pense à rappeler ma mère ou elle va s'inquiéter. Une autre phrase. إذا أقرضته نقودا فلن يعيدها إليك أبدا يمكنك تصديقي.
أو يمكن أن تصدقني. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. Tu peux me croire. Si tu lui prêtes de l'argent, يعني إذا أقرضته نقودا, on a le verbe prêter, معناه يقرض, il ne te le rendra jamais, فلن يعيدها إليك أبدا. Tu peux me croire, يمكنك تصديقي. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. Tu peux me croire. Une autre phrase. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. Voilà la phrase. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. يعني أنا لا أستطيع أن أبقى مكتوف الأيدي وألا أفعل شيئا. Les bras croisés يعني ألا تفعل شيئا مكتوف الأيدي. Je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. Une autre phrase. أنا مجبر أو أنا ملزم أن أفي بوعدي. Je suis obligé de tenir ma promesse. Je suis obligé de tenir ma promesse. Je suis obligé, يعني أنا مجبر أو كما قلت أنا ملزم de tenir ma promesse أن أفي بوعدي أو أن أحافظ على وعدي. Tenir une promesse, الحفاظ على الوعد. De tenir, أن أفي أو أن أحافظ على وعدي. Ma promesse, la promesse هي الوعد. Ma promesse, يعني وعدي. Je suis obligé de tenir ma promesse. Une autre phrase, أنا لا أفهم لماذا لم يتصل بي بعد. Oui, très bien. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas encore appelé. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas encore appelé. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas encore appelé. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas encore appelé. Une autre phrase. أنا لم أتدخل في خلافهم. Oui, très bien. Je ne me suis pas mêlée de leur dispute. Je ne me suis pas mêlée de leur dispute. Je ne me suis pas mêlée. يعني أنا لم أتدخل. Dispute يعني مناقشة أو خلاف أو نزاع. Je ne me suis pas mêlée de leur dispute. Je me demande bien ce qu'il mijote. Je me demande bien ce qu'il mijote. Voilà la phrase. Je me demande bien ce qu'il mijote. يعني بالعربية أنا أتساءل ما الذي يفعله. On a le verbe mijoter, on l'utilise dans le langage familier, signifie préparer. Secrètement, يعني التحضير أو الاستعداد سرا يعني
أن تخطط أو أن تفعل شيئا بسرية. ميجوتي. Je me demande bien ce qu'il mijote. Je me demande bien ce qu'il mijote. الآن كيف أقول أنت تعلم أنه يمكنك الاعتماد علي دائما؟ Oui, très bien. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. مثلا إذا أردت أن أقول أنا أفعل ما يجب فعله لتجنب الأسوأ. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je fais ce qu'il faut faire pour éviter le pire. Je fais ce qu'il faut faire pour éviter le pire. Je fais ce qu'il faut faire pour éviter le pire. الآن إذا أردت أن أقول نفقاتنا معقولة فنحن ننفق أقل ما يمكن. Nos dépenses sont raisonnables. Nous dépensons le moins possible. Nos dépenses, يعني نفقاتنا, les dépenses, يعني نفقات, raisonnables, يعني معقولة. Nous dépensons, ça c'est le verbe dépenser, معناه ينفق. Nos dépenses sont raisonnables. Nous dépensons le moins possible. Nos dépenses sont raisonnables. Nous dépensons le moins possible. الآن إذا أردت أن أقول أنا أفهم رد فعلك لا تقلق. تذكرون أصدقائي عبارة رد فعل كنا قد رأيناها سابقا؟ Je comprends ta réaction. Ne t'inquiète pas. Je comprends ta réaction. Réaction هي رد الفعل. Ne t'inquiète pas. On peut dire aussi je comprends ta réaction. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, يعني كذلك لا تقلق. Je comprends ta réaction. Ne t'en fais pas. الآن إذا أردت أن أقول هو بدأ يعتاد على فكرة أنك ستبقى. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il a commencé à s'habituer à l'idée que tu vas rester. Il a commencé à s'habituer à l'idée que tu vas rester. Le verbe s'habituer, كنا قد رأيناه سابقا, معناه يعتاد, يعني فكرة التعود. Il a commencé à s'habituer à l'idée que tu vas rester. الآن إذا أردت أن أقول لا تكن قاس كثيرا عليه أو لا تقس كثيرا عليه.
Ne sois pas trop dur avec lui. Ne sois pas trop dur avec lui. Ne sois pas trop dur avec lui. Une autre phrase. أنا أفضل أن أستشيرك قبل أن أتصرف أو قبل التصرف. Je préfère te consulter avant d'agir. Je préfère te consulter avant d'agir. Je préfère te consulter avant d'agir. On a le verbe préféré, يعني يفضل, رأينا العديد من المرات. Et le verbe consulter, معناه يستشير, et le verbe agir, معناه يتصرف. Je préfère te consulter avant d'agir. Une autre phrase. أنا لا أستطيع أن أفعل شيئين في نفس الوقت. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. On peut dire aussi je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. À la fois يعني في نفس الوقت تعني كذلك en même temps يعني في نفس الوقت. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Une autre phrase. القرار الذي اتخذته يعني أتكلم عن نفسي. القرار الذي اتخذته ضدها كان غير عادل. Oui, très bien. La décision que j'ai prise contre elle était injuste. La décision que j'ai prise contre elle était injuste. La décision que j'ai prise, يعني القرار الذي اتخذته, contre, يعني ضد, contre elle, ضدها, était injuste, يعني كان غير عادل. Injuste, ça c'est un adjectif, معناه غير عادل. ضدها هي كلمة أو صفة juste, يعني عادل. La décision que j'ai prise contre elle était injuste. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. Voilà la phrase. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. En arabe, هي لم تكن تريد أن تظهر في موقف محرج أمام والدها. Délicate, ça c'est un adjectif, معناه محرج, قد يعني كذلك حساس. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هذا الوضع حساس لا أعرف أبدا ماذا أفعل؟ Oui, très bien. Cette situation est délicate.
Je ne sais plus quoi faire. Cette situation est délicate. Je ne sais plus quoi faire. Cette situation est délicate. Je ne sais plus quoi faire. الآن استمع جيدا. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. Voilà la phrase. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. Une lettre de rappel, ça c'est un nom masculin, signifie fait de rappeler quelque chose à quelqu'un, يعني تذكير شخص ما بشيء ما, يعني رسالة تذكير تأتينا إلى المنزل عندما نتأخر في دفع بعض الفواتير, مثلا كفاتورة الكهرباء أو الماء. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. هي تلقت رسالة تذكير لأنها نسيت دفع فاتورة الكهرباء. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. Une autre phrase. ناديته مرتين ليأتي ليأكل. Je l'ai appelé deux fois pour qu'il vienne manger. Je l'ai appelé deux fois pour qu'il vienne manger. Je l'ai appelé deux fois pour qu'il vienne manger. Une autre phrase. لقد نسيت أن أذكرها. J'ai oublié de la rappeler. J'ai oublié de la rappeler. J'ai oublié de la rappeler. On a le verbe rappeler, معناه يذكر, قد يعني كذلك الاتصال مرة أخرى. J'ai oublié de la rappeler. Une autre phrase. زيارة الطبيب طمأنتنا هي ستشفى. La visite du médecin nous a rassurés, elle va guérir. La visite du médecin nous a rassurés, elle va guérir. La visite du médecin nous a rassurés, elle va guérir. Une autre phrase. لا أعرف ما إذا كان بإمكانك مساعدتي أو ما إذا كان يمكنك مساعدتي. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je ne sais pas. Si tu peux m'aider. الآن إذا أردت أن أقول أي شخص يستطيع فعله.
N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. N'importe qui يعني أي شخص. N'importe qui peut le faire. الآن إذا أردت أن أقول لا تتردد في الاتصال بي في أي وقت. N'hésite pas à me contacter à tout moment. N'hésite pas à me contacter à tout moment. N'hésite pas à me contacter à tout moment. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je me suis rangé à la vie de Sarah. Je me suis rangé à la vie de Sarah. Voilà la phrase. Je me suis rangé à la vie de Sarah. يعني بالعربية اتفقت مع رأي سارة أو تبنيت رأي سارة. On a le verbe se ranger signifie adopter l'avis de quelqu'un. يعني تبني رأي شخص ما. يعني أن تأخذ برأي شخص آخر. Je me suis rangé à la vie de Sarah. الآن إذا أردت أن أقول أنت بجانبي أليس كذلك؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ سهلة جدا أصدقائي. Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Une autre phrase. قرر لديك الخيار بين المجيء أو البقاء هناك. Décide, tu as le choix entre venir ou rester là. Décide, tu as le choix entre venir ou rester là. Décide, tu as le choix entre venir ou rester là. الآن إذا أردت أن أقول يمكنك أن تأتي في أي وقت. Tu peux venir n'importe quand. Tu peux venir n'importe quand. N'importe quand, يعني في أي وقت. Tu peux venir n'importe quand. On peut dire aussi, tu peux venir à tout moment. Tu peux venir à tout moment. Tu peux venir à tout moment. C'est la même chose. Une autre phrase. هو بذل قصارى جهده ليصل في الوقت. Il a fait de son mieux pour arriver à l'heure. Il a fait de son mieux pour arriver à l'heure. Il a fait de son mieux pour arriver à l'heure. كيف نقول لقد بحثت يعني لقد فتشت في كل مكان للعثور على دفتر شيكاتي لكنني أخشى أن أكون قد أضعته.
Oui, très bien. J'ai cherché partout pour retrouver mon chéquier, mais j'ai peur de l'avoir perdu. J'ai cherché partout pour retrouver mon chéquier, mais j'ai peur de l'avoir perdu. On peut dire aussi, j'ai fouillé partout pour trouver mon carnet de chèques, mais je crains l'avoir perdu. Je répète, j'ai fouillé partout pour trouver mon carnet de chèques, mais je crains l'avoir perdu. On a le verbe fouiller, معناه يفتش يعني يبحث. On a aussi le verbe craindre, معناه يخشى. J'ai fouillé partout pour trouver mon carnet de chèques, mais je crains l'avoir perdu. الآن أصدقائي كيف نقول أنا لم أوافق على الإطلاق لكن كان علي القبول ولم يكن لدي خيار. Oui, très bien. Je n'étais pas d'accord du tout, mais j'ai dû accepter, je n'avais pas le choix. Je n'étais pas d'accord du tout, mais j'ai dû accepter, je n'avais pas le choix. On peut dire, je n'étais pas du tout d'accord, mais j'ai dû accepter, je n'avais pas le choix. C'est la même chose. الآن كيف نقول علي أن أتذكر أن أتصل بوالدتي وإلا ستقلق أو وإلا سوف تقلق؟ نعم أحسنت. Je dois me rappeler d'appeler ma mère, sinon elle va s'inquiéter. Je dois me rappeler d'appeler ma mère, sinon elle va s'inquiéter. On a le verbe rappeler, معناه يتذكر. كذلك قد يعني الاتصال مرة أخرى. ولكن في هذه الجملة جاء المعنى يتذكر. Je dois me rappeler d'appeler ma mère, sinon elle va s'inquiéter. On peut dire aussi, je dois me rappeler d'appeler ma mère ou elle va s'inquiéter. C'est la même chose. جملة أخرى إذا أقرضته نقودا فلن يعيدها إليك أبدا. نعم أحسنت. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. On a le verbe prêter, conjugué au présent de l'indicatif. لدينا فعل يقرض مصرف في الحاضر. On a aussi le verbe rendre, معناه يعيد, conjugué au futur. Si tu lui prêtes de l'argent, il ne te le rendra jamais. الآن كيف نقول هم حاولوا مساندته عندما كان لديه مشاكل؟ Oui, très bien. Ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des ennuis. Ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des ennuis. On a le verbe essayer, معناه يحاول. Aussi, on a le verbe soutenir, معناه يساند أو يدعم. Les ennuis, معناها المشاكل.
Ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des ennuis. On peut dire aussi, ils ont essayé de le soutenir quand il a eu des problèmes. On peut dire aussi, ils ont essayé de le soutenir quand il avait des ennuis. جملة أخرى في الواقع لقد ضيعت وقتي معهم. Oui, très bien. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. En fait, معناها في الواقع قد تعني كذلك في الحقيقة. Et on a aussi le verbe perdre معناه يضيع. En fait, j'ai perdu mon temps avec eux. الآن كيف نقول هو يشبه كثيرا والده؟ تذكرون أصدقائي فعل يشبه كنا قد رأيناه سابقا. نعم أحسنت. Il ressemble beaucoup à son père. Il ressemble beaucoup à son père. On a le verbe ressembler, معناه يشبه. Il ressemble beaucoup à son père. Une autre phrase. لقد أمضينا بعد الظهر يعني فترة الظهيرة جالسين نتحدث بدلا من إنهاء عملنا. Oui, très bien. Nous avons passé l'après-midi assis à discuter au lieu de finir notre travail. Nous avons passé l'après-midi assis à discuter au lieu de finir notre travail. On peut dire aussi, nous avons passé l'après-midi assis à parler au lieu de finir notre travail. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول لا يمكنني التحدث الآن أنا في العمل ولدي الكثير من المهام للقيام بها كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي كما العادة لكتابة الإجابات في التعاليق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم